Tu te souviens de Ben, mon mari? Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire... démonter. Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire. T'as plus rien. Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi. Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste. On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque. Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici. Même Nelson Mandela, il a divorcé. Le gars, il passe la moitié de sa vie dans les prisons sud-africaines. Il tient. Il passe 6 mois en couple. J'en peux plus, j'y arrive pas. Il divorce. Je vais pas faire semblant d'aller bien. Je vais pas bien. Ben fait sa boudeuse. Écoute-moi bien. T'es tombé de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en selle direct, sinon tu feras du poney toute ta vie. Bref. Non, je regardais. Ma meilleure amie, prof de MMA. Oh, incroyable ça. Lisa! Elle est devenue très protectrice depuis mon divorce. Bah, je vois ça. C'est le divorce cut! T'as bu ou quoi? Bingo! Ouais, j'ai bu, parce que c'est mon ami. Alors les copains m'ont fait une surprise. Il y a un truc qu'il faut pas toucher. Ma Ferrari 250 GTO. Oh merde! Mais le frein à main! Le frein à main! Non! Je vais aller sur le petit coin, je vais acheter la même, à l'identique. D'accord, allez, je te tape bien Hubert. Oh, ça, je peux le faire tout seul. Hein?